Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pillar of Eternity 2. Après avoir fait un épisode à naviguer et aborder pour récupérer les triomphes des différents capitaines ennemis, on est arrivé au bastion des envoyés et on va voir ce qui nous attend sur cette petite île perdue sur la morne banquise. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins un épisode par jour. Ceci étant, on va voir ce qui nous attend donc au bastion des envoyés. On va mettre pied à terre, ou plutôt jeter l'ancre. Alors je sais pas si l'image que vous avez sous les yeux, que nous avons sous les yeux, préfigure de quelque chose. Mais on dirait un gros dragon. Nouvelle carte découverte, bastion des envoyés, 350 d'XP, d'accord. Alors on va peut-être pas se mettre en mode rapide. Ça vaut peut-être pas le coup. Ok, donc on est en bas à droite. On va avancer. Il se passe des trucs ici. Un son sourd, lourd et humide attire votre attention vers une silhouette au sommet de la falaise glacée. La lumière se reflète sur le couperet qu'il brandit au-dessus de sa tête. La lame se précipite vers le bas, en une courbe qui laisse dans son sillage une brume rouge suspendue dans l'air glacial. Le kit se redresse en vous fixant du regard, tandis qu'il vous désigne d'un doigt, du doigt, d'une main ensanglantée. Salutations. Godfat, your fellow traveler. A day of glory this turns out to be. First auspices of a visitation, then the arrival of the Dusk Speaker. Truly, I hear the call of winter. Qu'est-ce que l'appel hivernal? You know, the final chorus, the lure of nothing, the dusk of being. Ragnarok, un truc du genre. The part in each of us that knows when the end is coming, that point after which struggle is meaningless, and what remains is only prelude to naught. Vatnir, our mentor, foretold your coming. He described you perfectly from toes to top. Praise be to Rimmergant. C'est Vatnir qui m'a envoyé cette lettre. L'homme plisse les yeux en direction du papier, pioche vigoureusement la tête. Come in, Dusk Speaker, come in! Be sure to speak with our mentor Vatnir. He's down in the chapel in the middle of the settlement. The Numcask, the beer! The Dusk Speaker has arrived! Ok, ça nous dévoile la carte. Bastion des envoyés. Bon, on sait qui c'est qu'il vénère, hein. Et la dernière fois qu'on l'a rencontré, ça s'est pas super bien passé. Honnêtement, il nous a foutu un peu les jetons. Demeure des envoyés. I always thought of a beast as having four legs. An aurochs, yes, but with the torso of a man. Exactly. Wait, how can God have torso of man and body of aurochs? Après, je vais te parler. L'esqui. He can be anything. Cette sculpture. Ok, blablabla. Il se reclut la gorge. Elle ne répond pas. Le bruit lui fait relever la tête qu'elle tourne d'un côté puis de l'autre afin d'en localiser la source avant de braquer ses yeux couleur d'améthyste sur vous. Yes? What is it? Well, ain't she just a basket of warm and welcome? Où avez-vous appris à sculpter? Ah d'accord, c'est toi qui l'as fait? From my mother. She taught me many things. To shape the ice, to hone an obsidian blade, to clean the carcass of a seal. D'accord, c'est quelque chose assurément. Do you jest? Or was that your idea of... It clearly represents Rimmergand, the beast of winter, the final god. Obviously. Ah oui, j'arrive à le voir maintenant, clairement. Ah, je suis désolé. Vatnir.
He can often be found in his features will identify him. He bears the touch of Rimmergand. I am a creature out of elsewhere, only here. Ouais, ouais, ta vie, ton œuf, tout ça. Ok, faut vraiment qu'on parle à Vatnir, du coup. Par contre, il y a des choses à prendre. Paf. I'll handle this. Cap Principi. Oh, matériel médical 21, c'était pas mal ça. Hein. Demeure des envoyés. On va quand même regarder ce qu'il y a dans ces petites maisons. Hein. That's not nice. All done. Ouais, ça c'était pas foufou. Ah, toujours plus de bouquins. Duskspeaker. Duskspeaker. I'd like to speak if you've a moment. Oui, j'ai un instant pour toi. You are the Duskspeaker, Nai? Oui. J'aurais enfin, on aurait tous en fait vraiment besoin de votre aide. Il y a un autre groupe en haut sur la glace. High above the watch. They attack anyone they see, us included. They make it very difficult to, well, to get to Rimmergand's temple, among other things. Et qui sont ces gens exactement? Another group of Rimmergand's worshippers. We call them the Lost Pilgrims. Et pourquoi sont-ils si hostiles? Well, only knows. They seem to think they're protecting something, like the flow is sacred. Nivadir thinks they've all gone a bit mad out here all alone. Or that something in the ice is rotting their minds. Et d'où viennent ces pèlerins? They're from the land as well. They came here a few decades before we did, on much the same mission. When none returned, we thought them all dead. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire à leur sujet. Finally, good news! You've no idea how rare a thing that is. The pilgrims keep camp in the ruins atop the ice wall. High Harbinger Vatnir can explain how to get up there, if he hasn't already. Was there... something else you wanted to know? Whatever needs oui, to le reste. Community works. I'll have you. I've been here for assault strictly. Ok, le reste, c'est du blabla. De l'eau, on prend. Ça c'est quoi, du sel? Ah, intéressant pour faire des recettes. On prend tout ce qu'on peut trouver. Un envoyé, très joli par contre. Le mix entre cabane, caverne, glacée, avec les peaux de bêtes, tout ça. J'aime bien. Cap violette et chapeau valien. Non. On va retourner au bastion des envoyés. Ah, ce que c'est? J'espère que ça ressort pas. Sur l'autre maison. Ah si. Dommage. Je m'étais dit que j'irais la visiter après. Ben non. Par contre, je vois des choses à récupérer ici. Du bleu sur une couleur bleue, c'est pas forcément évident à voir. Ok, alors là, il y a un truc où on peut monter. L'envoyé Ivejorn, refuge des envoyés. Alors oui, je vais te parler, mais je vais déjà récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Go, go! Vatnir awaits. D'accord. Vatnir nous attend. Pêcherie gelée, maître brasseur. D'accord. On aura encore ces deux endroits à voir. Et après à monter. Sur l'espèce de. L'espèce de montagne complètement gelée. Le mur de glace, voilà. You must be our honored guest. Vatnir said to expect you. Not that he said I should expect so many. No matter. Room will be made. If there is anything you require, you need but ask. I will strive to deliver. Oh, and before I forget, a welcoming gift. Alors, il m'a donné robe d'envoyé, capuche d'envoyé, d'accord. Est-ce que vous êtes ici à cause de vos croyances? Of course. Aren't you? Je suis ici sur l'invitation de Vatnir. He cast no summoning spell, no binding rite. Your coming was of your own accord. Death walks in hand with life in the white that wends. The priests of the wheel would have you believe they follow one after the other. It is not so.
I found a rift once, at the bottom of the world, and in it a camp, a clan's worth of Glamfellan, huddled and still. Their stories, their blood, their ambitions, none persevere. I chase not the end, but accept its inevitability. It is a thing to be celebrated, like the ending of an epic finely sung. Vatnir understands that, so I follow his lead. A single incident hardly speaks to a fundamental truth. You are correct. Every incident speaks to a fundamental truth. Come, come, shake off the snow, warm yourself at the hearth. What bon. I have is... Montre-moi déjà ce que t'as avant, non. Rien d'intéressant. Et ici, détermination plus 2, plus 1 de valeur d'armure contre givrant. Oui, on va pouvoir se reposer. On n'a pas de bonus particulier pour 200 balles. Allez. Petit dodo. Comme ça, on est bien pour la suite. Je peux prendre. Qu'est-ce qu'on a? Éclat de permafrost. Un par repos, mot-clé, figurine, temps d'invoque. Deux fléaux de glace majeur. Ah ouais! Rien que ça. Ouais, vraiment très sympa le design. Ça c'était cool aussi. Ok, là il y a du poisson. Eh, j'aurais voulu finir d'explorer, mais bon. And why shouldn't we fear death? What offers death save erasure? A return to life cleansed of experience and understanding. Ignorant, set to suffer again, to repeat our mistakes endlessly. To fail. But the beast would spare us this suffering, would offer us succor, mercy. But it seems our guest has arrived. Come, Duskspeaker, join our circle. Look upon the Duskspeaker, and be glad, brothers and sisters, for he heralds an end to your suffering. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler comme ça, je suppose que c'est... à cause de vous. I revealed only that which was revealed to me. You can't just go around renaming folk without their say so. I present to you the Watcher of Cad Nua, father of the Defiance Bay riots, in whose wake fell the Hollowbone curse upon the Deerwood. C'est étrange, je crois me souvenir avoir mis fin à la malédiction. Who dethroned Lord Radric, rightful Thane of Gilded Vale, plunging that land into anarchy? C'est absolument pas ce que j'ai fait. You mean there's alternatives to government by brawling? We don't get to see a lot of places that have their act together. Puis revint et le tua de nouveau. And whose very stone and soil gave rise to the great green giant that even now strides across the Deadfire. Oh, pour la morde, il a détruit mon château. Full glad are they to see you, Watcher, for they came to pay homage to Rimurgand and bear witness to the final dissolution of Eora by his hand. Your coming fulfills prophecy. Wheresoever strides the Duskspeaker, so falls falsehood, torn away. So discards false cycles, so quiets dawn and dusk. Est-ce cela qui m'a valu... Est-ce cela qui m'a valu votre invitation ici, pour accomplir votre prophétie? I think perhaps... more to put your role in it to the test. Prophecy fulfills itself by its nature. But your identity as the Duskspeaker, that's not yet irrefutable.
Et pourquoi êtes-vous aussi enthousiaste à l'idée de mourir? It's not death we seek. It's oblivion. The final, quiet calm in which all things stand evened and equaled. Cependant... from the endless, torturous cycle of death and rebirth. Ils sont tarés. Cependant, vous n'avez pas tort concernant le chaos dans mon sillage. We did not title you baselessly. You seem destined for great things. Terrible things. Now, if we may have the pleasure of your company, Duskspeaker, we've prepared a feast, at least by the standards of our humble means, for your... Ces paroles sont interrompues par une secousse qui fait trembler le sol sous vos pieds. Ah. Ok. The messenger returns. Vatnir indique du doigt l'entrée du sanctuaire. Go forth and bear witness to his message. Ok, donc ça, c'est sûrement le gros dragon là qu'on avait vu sur l'écran de chargement. On va aller voir ça. T'as autre chose à me dire, toi ? The messenger awaits you. I shall follow close behind. On regarde s'il n'y a rien de caché. Et donc, j'avais pas fini d'explorer le coin. Hein. Voilà, il restait le passage par là, là. Donc là, il y a une caisse. Qu'est-ce qu'on a ? Des immolateurs. Il y a une autre pièce. Vous le voyez là, le passage secret ? Examinez de plus près. Tirez sur le levier. Voilà. Oh, ça c'est cool. Les épices. Qu'est-ce qu'on a ? Poignard raffiné. Ambre. D'accord, et là ? De la bière était renversée partout, même sur la nourriture avariée. Un livre de symboles sacrés a miraculeusement échappé aux salissures. C'est tout? Franchement, c'est un peu nul, hein. Bon, cependant, on va faire ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire ressortir. Je suis sûr que c'est ça, c'est un dragon, hein. J'ai de sauvegarde avant. Ou une dragonne plutôt, hein, vu que c'est la messagère. Et voilà. Mais ils sont tarés, hein. Ils se font buter et ils sont contents. On va prendre tout ça, hein. Je suis désolé, les gars, hein, mais... Je veux dire, vous en aurez plus besoin, hein. The messenger returns. Non, c'est pas une messagère, ça, sérieusement. La dragonne ou cette carapace pourrie en forme de dragon dirige un œil luisant vers vous. Vous sentez son regard fouiller votre âme, inspecter votre esprit. En grandement sourd provient de sa gueule, bien que menaçant, le grognement ne se transforme pas en parole. Que faites-vous à ces gens? La créature renacle, un bruit clairement moqueur accompagné d'un flash pourpre sortant de ses narines putréfiées et porte un des envoyés morts à sa bouche. Elle arrache le bras de l'elfe. D'après mon expérience, les dragons adorent généralement s'entendre parler. La dragonne change de position, écrasant la neige et la glace sous ses pattes griffues et se tourne vers vous. D'accord. C'est absolument pas un dragon, en fait.
Enfin, t'es un dragon, mais plutôt t'es une créature. Donc on va commencer par ça. Alors, clone à queue. Quelques sortes de faibles. Ok. Régénérant les corps des morts. Guérir les alliés présents dans la zone. Hop, tu vas te prendre salon aidant. Ok, j'ai vu un 134 passer. D'accord. Ça, j'avais pas anticipé. Est-ce qu'on peut gérer? Je sais pas trop. Ok, là, ça marche. Oui, tiens, tu vas rebalancer ça. Ok, là on s'en sort pas trop mal. Ok, il est à midlife. Pardon. Désolé. On va faire ça. Toi, tu vas faire ça également. Allez, s'il te plaît. On peut tenter ça. 46%. Le prêtre fait apparaître un faisceau qui guérit les alliés et brûle les ennemis. Faire ça pour soigner. Ok. Toi, t'es en train d'y prendre, donc recule-toi. Tempête, flamme purificatrice. Ok, Teke où? Ennemi avec chute. On va lancer ça. Toi, il te reste quoi comme sort? On peut passer sur celui-là. De sort de niveau 5, non. This does not work. Ça c'est pas cool. Ok. Là j'ai pas assez. Ok, là c'est en train de bien avancer. À tous ceux qui sont pris, on repousse les ennemis. On va faire ça. Toi, tu peux balancer ça. Never you mind that, miss. I'll land the next one. T'es qui est ouf? Est-ce qu'on a quelque chose encore? On repousse des gars. Ouais. Allez, tu balances ça.
Toi, il te reste quoi? Réanimation. Opiniâtreté. Engagement bonus. Allez, il te reste un quart de vie. Allez les gars, faut continuer là. Hein. J'ai un petit saut fulgurant. Ensuite, on va faire ça pour aider tout le monde. Balance la lance de cristal. Tu vas me faire ça sur lui. Allez, on arrive au bout. Ça va tomber. Allez, la messagère, il va y passer. Voilà. Ça aurait été très laborieux quand même. Hein. What is happening? How could this happen? Where is Vatnir? Someone find Vatnir! Trouver Vatnir au refuge. Alors on va récupérer déjà ça aussi. Turquoise, saphir. Oh, ça c'était intéressant comme butin. Ouais, ça non. Ah, c'était ton butin à toi. Oh là là, c'était nul alors. Stylet superbe, d'accord, on prend. Eh bien, allons-y, hein. On va quand même aller fouiller le reste d'abord. Envoyer Cardo. The truth has been revealed. Even endings end. And you have brought that to us. Thank you, Duskspeaker. Ce n'était vraiment certainement pas la première fois que j'affrontais un dragon. Ça ne prouve rien. Well, it proves that some of us lost any sense of self-preservation around the time we joined you. That you find it common only adds to the telling. But you came for fish, no? See anything that interests? It is not I. They may come out a bit hard. You say this. Ok, ta vie, ton œuvre, comme d'habitude, montre-moi ce que tu as à vendre. C'est sympa ça, mais il n'y en a pas assez. On va venir voir ici également ce qu'il y a. Nivardir. Dis-nous tout, toi. I've Rumshapta if you seek to banish the chill. Yeah, the very alcohol. Is there aught you require? I did, and I am. Why bother if it is? I'm under no. Why lose sleep over trip? We brew Rimshotta not merely for. It serves well enough along the coast of the White. I've seen machines striding the icebergs. Kif, I've more than half a mind to add a little of that, whatever it is, to the latest batch. I would be in. I've not been a warrior for many years, and the machines bear weapons and shields. Were you to harvest fluid from one of them, I would happily come. I'll accept as much of the stuff as you can bring me. A boat? It's not a place one swims to, yeah? The world's end may. Ok, qu'est-ce que tu as à vendre? Rien d'intéressant. Par contre, tu m'as donné une quête. Invité d'honneur. Ça va être dans les tâches, je suppose. Un verre à la santé des morts. Récolter du fluide d'automate de givre. D'accord. Et ceux d'en haut. Vaincre les pèlerins du piton rocheux en hauteur. D'accord. Des nouvelles choses à faire. Du coup, on va retrouver le gars. Va tenir. Par contre, faut qu'on m'explique là pourquoi il croyait qu'un démon. C'est même pas un dragon normal. Hein. Parce qu'il parlait pas, il n'était pas habité. C'était vraiment très curieux ça. Va tenir. Tu es où?
Oui, tu es là-bas, donc on va y aller. Vitesse grand V. Va tenir, faut qu'on discute. Hey, where's that horny guy? Well, at least we know we can't lose him in a crowd. Eh mon gars, hein, tu croyais avoir disparu? Va tenir, se recroqueville sur lui-même, les mains entrelacées sur sa tête bondée pour la protéger, il ne réagit absolument pas à votre présence. Va tenir sursaute en entendant ce bruit, puis tourne lentement la tête, sa tête pour vous regarder. Bien que son masque demeure froid et impassible, ses doigts crispés et ses épaules affaissées trahissent une terreur abjecte. I'm not hiding, I just... I had a sacrifice. Something that I was saving for the messenger, and I couldn't find it, so I was looking for it. Très convaincant, c'est le bégaiement qui fait tout. Quand j'ai tué votre messagère, Imgrand n'a pas eu un seul mot pour s'en plaindre, et les dieux ne sont pas timides avec moi. You killed it? Bah oui. That's good, that it's dead. It's been harrying the watch now, well, for years. But people keep coming, and it keeps eating. Each time it comes, the ice spreads further. I didn't know how to end it, so I wrote to you. Mais pourquoi m'écrire à moi? Because you're the dusk speaker. Alors la mort ne banquise ne menace pas de s'étendre. Oh no, that's certainly happening. It's simply not my the focus of my attentions. Et qui est quoi au juste? The dragons, the more immediate threat. Mais c'est fait. You have a reputation, don't you? You overcome things, you triumph. Bah oui. You're coming to the Deadfire. It seemed too great an opportunity to ignore. No. Whatever answers you seek, you will likely I don't know what to... You're full of horse apples, you mean? This place is Holy Tar Elder. A few years, they never returned. It's true. Strange as it sounds, the larger the ice flow gets, the faster it seems to grow. The tail passed from... I suppose... The lie... What an imp... I don't... We're not fish. Il y a un temple sous la glace. I ok, voilà. Perhaps it's because of the Veetmouth. The closer you get, like the Frosttune Breach, it's a passage through the walls of the world to the White Void, specifically, seat of Rimurgund himself. You'll need to climb the cliff overlooking Harbinger's Watch. That's the only way we know to enter. Here, these should help. Well, ain't you hospitable all of a sudden? No, I want you to succeed. Eh bien, merci. The messenger has fallen. Dusk speaker. What? Where are you? What is this room? Well, you see, I was, we were just discussing some matters of orthodoxy. What? No, of course not. I just... well... apologies. And, never mind. But, Rimurgan's messenger has fallen. What should we do now? Survive and keep our work going. The Dusk Speaker and I will set everything aright. I swear it. I should probably get back to the surface to do... Oui, c'est ça. Bon, on lui a sauvé les miches, hein. Et je comprends ce qu'il a essayé de faire. Il savait absolument pas comment arranger la situation, donc il nous a appelé. Donc la dragonne, c'est fait. Et le problème, c'est que la banquise s'étend également. Et il va falloir aller trouver des réponses à cela dans un temple souterrain. Et pour ça, eh bien... Quoi? Ah non. C'est un dragon zombie. Oh, wonderful. Ouais, wonderful. Exactement. Bon, c'est par ici qu'il faut qu'on aille, de toute évidence.
Je l'ai pas venu venir le coup du dragon zombie qui se fait enlever. Alors un promontoire de glace domine le bastion des envoyés. Il surplombe légèrement la colonie tel un rideau protecteur. Eh bien, on va grimper avec les pics à glace. Vous jouez des pics à glace empruntés à Vatnir pour escalader le mur. Vous frappez le mur de l'un de vos instruments dont la pointe plonge dans la glace. Lentement mais sûrement, vous progressez sur le mur abrupt. Le temps d'atteindre le rebord à une vingtaine de mètres au-dessus du sol, vos muscles commencent à vous faire souffrir. On a perdu 2 heures. Le sommet de l'iceberg s'étend devant vous. Mes adantelées recouvertes de glace solide et ponctuées çà et là d'antiques ruines brisées. La mer scintille au loin tel un ruban argenté marquant la frontière avec l'horizon. Ok, on est arrivé en haut. On va faire une sauvegarde. Well, wasn't that bracing? Oui, très vivifiant. D'accord. Alors. Le fameux dragon zombie. Oui, j'aime pas me faire surprendre par des pièges comme ça, subir des blessures gratuites. Donc on va faire un petit peu plus attention. En tout cas, c'est très intriguant cette histoire. Ok, en plus, il se voit. Ok, 135. Voilà, il y en a un autre ici. Donc je suppose que, en fait, si on va tout... Bon, on va retrouver le truc. On va aller de l'autre côté. Ça va nous dire que le bâtiment n'est pas accessible et qu'on doit faire le tour. Je le sens bien comme ça. Hein. Ou pas. Voilà qui est très curieux. Ça, c'est quoi? Saut de mort. Ah ouais. On va repasser dans l'autre sens. Hein. Je suis pas fan du saut de mort. Donc on va avancer par là. On va faire une petite sauvegarde. Wait, look there. Une ombre gelée. Allez. D'accord, toi j'aimerais que tu viennes là. Ok, et tu vas commencer à balancer ça ici là. Ok, merci. Toi, tu sors, tu viens là. Tu balances une boule de feu ici. Ok. Est-ce que tu peux rebalancer une deuxième boule de feu? Et toi, j'aimerais que tu rebalances ça. Ok, ça c'était pas mal. Toi, par contre, j'aimerais que tu bouges. L'ombre gelée là. Là ça le fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Tempête de feu. Une boule de feu sacré qui neutralise les protections.
can't make a dent. On va faire ça. Allez. Ok, ça c'était bien joué. Allez, tout le monde dessus là, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, on s'en sort. Et sans blessure. Mais ça a été compliqué. Ah non, il en reste encore un. T'es sérieux là? Léo de glace majeure. Voilà. Bon, compliqué ce combat, hein. On récupère aux primitives. D'accord, c'était pas forcément génial, génial ça. Ouh là, il y a un petit quelque chose. Talisman de saut contre la mort, perle noire, éclat d'obsidienne, d'accord. Et là, il y a un esprit. Quelques minces filets d'essence spirituelle s'accrochent à ce cadavre congelé, leur tendre la main. L'air froid vous engloutit. Là, c'est son histoire. Ok. On va sauvegarder. Et on va repasser en mode fufu. Désamorcer, parfait. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? On va tout prendre. Hein. Gousse de Raï. Piège déclenché. Pas de la bête. Confère bête hivernale. Marcher génère une petite zone d'effet qui inflige entrave aux ennemis. Sérieusement, comment tu peux te faire avoir par un piège comme ça? Il n'a pas été détecté. C'est quand même curieux. You might find this interesting. Voilà. Hop, ça comme ça c'est fait. Ah, on peut redescendre par ici après. Hein? Saut de souffrance. Un halot. Ah d'accord. Ok, ça c'est fait. À nouveau. Ok. Et toi, tu vas faire... Ah ouais, ça risque pas forcément de leur faire beaucoup de dégâts en fait. Ici. Allez, s'il vous plaît, tout le monde là. Voilà, parfait. Le compagnon ours, on les prend un par un. Ok, ça c'est fait. Ici, le champion ascendant. C'est peut-être lui le plus problématique. Puisqu'il est nommé. Mais il est en train de prendre cher. Ah, on dirait qu'il y en a un qui le soigne. Un petit second souffle pour toi. Parfait. Il nous reste quoi? Un pèlerin sauvage.
On va s'occuper de ça. Ah oui, il y avait là, effectivement le... Alors ceux d'en haut, ça c'est fait. Ah, il y a un seau de mort en dessous. Donc on va vouloir s'en occuper. Donc on avance en mode fufu. Ah! S'il vous plaît. You should see this. Ici, ici les gars, ici. Deux blessures, c'est pas possible ça. Et toi tu vas me faire ça. That's it. Allez, encore. This is futile. Allez, balance-moi ça. D'accord. Ok, ça c'est fait. Combat terminé là, non, s'il vous plaît. Combat terminé. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des blessés. Il va falloir qu'on règle ça. Toi, j'aimerais que tu balances ça. Toi, que tu balances ça. Voilà. Là, on est bon. On va aller récupérer cet objet-là. Ouais, on va aller désamorcer ça. Et on va se reposer. Amulette de santé majeure. Ok, c'était franchement pas foufou. Par contre, on va se reposer. Tu vas prendre... Perception plus 2. Ah ouais, tiens, pourquoi pas. Et toi... Des koiki? Yes. Tu vas prendre un petit koiki. Et on se repose. Parfait. Donc on a une quête de terminée. Maintenant on va fouiller. Qu'est-ce qu'on a? Parchemin d'armure rouillée. Des lances exceptionnelles. Ok. On peut enlever le mode fufu. Hein. Oh, ça fera plein de sous ça. Alors toi, corne de l'Auroch, touché hivernal, si le porteur subit un coup critique, sa prochaine attaque armée réussie, inflige plus 10% de dégâts givrants, fort comme un bœuf, immunité aux effets de poussée et d'attraction. Boîte des blanches, plus 2 valeur d'armure pour givrant, détermination plus 1, résistance aux afflictions de dextérité. C'est sympa tout ça. On a encore des choses à récupérer ici, des poissons... Et des boissons. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va sauvegarder des fois qu'il y a un piège. Il n'y en a pas. Bois éveillé et flamme primitive, on prend. Ici, on connaît ce passage. On va juste passer là. Voilà, voir s'il n'y a pas un petit quelque chose. Là, on connaît, donc il n'y a plus qu'à aller. Alors, pas par ici, hein, parce qu'on voit très clairement que c'est effondré. Mais par ici. Donc là, on va repasser en mode fufu. Sure, might as well. I mean, if I were the leader, like a watcher or something, maybe I... Ouais, descendre le long de la corde. Alors, tester la corde, on va y descendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Se balancer pour se rapprocher de l'objet.
dégager le pic. 17 en détermination. Ouh, il fallait 16. Descendre jusqu'à la corniche de glace en dessous. On a obtenu le fléau des glaciers. Un épisode ne suffira pas pour régler cette histoire du bastion des envoyés. Le mystère s'est même épaissi. Le temple de Givre. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode et on fera le temple de Givre au prochain. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.